Chicago Salka. Allez, venez, je vais vous montrer. Bonjour, je m'appelle Didi et bienvenue à Chicago Soccer. Celui-ci se trouve sur le corner de Skokie Bova et Lake Avenue. Venez dedans, je vais vous montrer. Alors, Chicago Soccer, c'est un magasin qui est spécialisé en équipement de foot. On a tous les maillots de clubs, vos équipes nationales préférées. Je vais commencer à vous montrer d'abord les équipes nationales qu'on a. La première équipe, c'est l'équipe de l'Angleterre. Ça, c'est le deuxième maillot de l'Angleterre, celui qu'ils vont utiliser en fait à l'Euro 2012. Et voilà quoi. Et puis, on a aussi le maillot du Portugal, ici avec le nom officiel de Ronaldo, le numéro 7 du Portugal. Donc, ça, c'est le deuxième maillot du Portugal. Et aussi, on peut mettre le nom et le numéro de vos joueurs préférés, que ce soit n'importe qui, Benzema ou un truc comme ça. Donc, vous pouvez aussi le mettre. Par exemple, les maillots, on a aussi les maillots sans nom. Vous pouvez aussi mettre vos noms dessus. On a les noms originaires et aussi les noms qu'on peut faire de style que vous voulez, quoi. Voilà, ici j'ai une veste du Brésil. La prochaine Coupe du Monde qui sera au Brésil, très excitant. Ce sera une grande expérience. On a aussi les casquettes comme ça pour le foot. Ça, c'est les casquettes de Brésil. Et puis, on a aussi pour le Portugal ici. Deuxième maillot, ça c'est Van Persie du Pays-Bas. Et comme vous pouvez voir, ça c'est le nom officiel de l'équipe du Pays-Bas, de l'Hollande. Et on aura aussi le maillot. Donc, on a toujours les deux maillots, le maillot de maison et puis le maillot ou le deuxième maillot qui remplace aussi. On a aussi les maillot d'entraînement encore avec le nom du pays derrière. Et donc, comme vous allez remarquer, ce sont les nouveaux maillots qui vont être utilisés à l'Euro 2012. Et ici, c'est le maillot de la France, le nouveau maillot de la France avec Benzema qui est dessus, le numéro 10. On a aussi les noms de Ribéry que vous pouvez mettre, quoi. Ou bien vous pouvez aussi choisir n'importe quel joueur qui est votre favori. On peut vous le mettre. On a aussi les vestes de France qui est très jolie. Celui-ci, c'est le bleu veste de France. Et aussi, on a ici, c'est l'équipe américaine, une veste de l'équipe américaine. On a plusieurs couleurs, le blanc, le bleu aussi qui représente. On a même les bonnets de USA avec les écharpes aussi. Ici, j'ai le maillot de Donovan, qui est le numéro 10. On a aussi d'autres noms comme Beasley et Dempsey que vous pouvez mettre. Et tous ces noms sont officiels, en fait. Maintenant, on va aller à la section des clubs, en fait. Le premier club, celui-ci est Puma, qui est un club mexicain, l'un des plus grands clubs mexicains. On a aussi ici à côté l'équipe de l'Inter de Milan avec le maillot d'entraînement et aussi j'ai les vestes de l'Inter de Milan dont les fans ont vraiment beaucoup de choix en matière d'équipement de leur équipe préférée, quoi. On essaye de donner une variété à nos clients. Et aussi j'en ai le maillot de Manchester City. Ici, le bleu ciel de Manchester City. Ici, je commence ma section de la Barcelone. Donc, celui-ci, c'est le maillot de Messi, qui est le meilleur joueur de l'équipe de Barcelone. Et ça, c'est le nom et le numéro authentique. Et aussi, j'ai les maillots, les vestes d'hiver des différents pays et de clubs. Ici, par exemple, j'ai la veste d'hiver des États-Unis d'Amérique. J'ai celui-ci qui est de la Barcelone et celui-là est de Manchester United. Donc, vous pouvez savoir ça, les fanatiques de foot comme moi, par exemple. Et le prochain club, c'est celui de l'Arsenal.
que vous voyez là, ça c'est le deuxième maillot d'Arsenal qui est ici. Et j'ai aussi le maillot de Manchester United avec le nom officiel de Rooney qui joue au Barclays Premier. Et puis, on a aussi les casquettes Arsenal et Manchester United ici. On a comme les vestes. Et ça, c'est le deuxième maillot de Manchester United avec encore Rooney devant et derrière. On a aussi d'autres noms comme Nani, par exemple, si vous êtes plus fanatique. On a aussi les vestes, par exemple, Manchester United. Aussi. On a vraiment beaucoup de variétés de produits des clubs et des nations. Quoi. Ici, c'est ma section pour les t-shirts. Par exemple, on a des différentes couleurs et la plupart du temps, les grands clubs et les grandes équipes, on essaye d'avoir beaucoup de produits comme ça parce qu'on a souvent beaucoup de clients qui le veulent, quoi, qui veulent les produits là. Et la prochaine section, je vais vous montrer, en fait, c'est les balles. Allez, venez avec moi. Donc ici, c'est ma section des ballons. J'ai des ballons de différents prix. Celui que vous voyez tout en haut là, ce sont les ballons de match officiels. Ceux-là, ce sont les plus chers que j'ai et c'est le même ballon que les professionnels utilisent, quoi. Et après ça, j'ai les deuxièmes lignes qui sont, on va de gauche à droite, les plus chers et la qualité évidemment va être plus bien quand c'est plus cher, quoi. Et puis quand on descend ici, on a les différents prix, un peu le milieu et puis ceux qui sont derrière là sont un peu plus moins chers. J'ai aussi les ballons des équipes, par exemple équipe nationale du Portugal ici, du Brésil, de l'Hollande et aussi des États-Unis d'Amérique. J'ai aussi pour les clubs comme Arsenal par exemple, j'ai Manchester United. Donc dépendant de votre budget ou bien de quelle équipe vous voulez, de quel ballon vous voulez, on peut vous aider à choisir. Aussi, j'ai des ballons de différentes tailles parce que la taille officielle qui est la 5, j'ai aussi les tailles pour les petits de 0 à 8 ans qui est la taille 3 et de 8 à 12 ans qui est la taille 4 des ballons. Et maintenant, je vais vous montrer nos chaussures. Alors, la première section ici, là, j'ai les chaussures, en fait, de sole dure. Par exemple, ça, c'est le Mercurial qui est la chaussure de Ronaldo, celui qui joue à Real Madrid. J'ai aussi les autres chaussures, par exemple, les 360 CTR qu'on appelle. Et ça, c'est la chaussure de Fabregas. Donc, dépendant quel est le choix, j'ai aussi les chaussures de Messi qui sont là de la nouvelle saison, quoi. Et ça, toute cette section-là, c'est mes chaussures de sol dur, quoi. Et ici, j'ai aussi les chaussures de gazon artificiel, par exemple, comme vous pouvez voir. Et j'en ai aussi des variétés de ça, dépendant de votre goût et le choix que vous voulez avoir. Et aussi, j'ai des sols plats. Vous pouvez le marcher avec ou bien jouer dans par exemple dans un sol plat, quoi, avec. J'ai aussi ma section ici, ça c'est la section des enfants. Par exemple les petites chaussures pour les petits joueurs de foot, quoi. Ça c'est les chaussures de sol dur et j'en ai aussi les chaussures de gazon artificiel, par exemple. Et évidemment les plats aussi pour les enfants. Et après, maintenant on a la section des gardiens de but, quoi. J'ai les gants pour les gardiens de but, les adultes et aussi j'ai pour les petits gardiens de but, très mignons. Après ça,
On a cette section qui est un peu plus de tout. Tous les petits équipements que vous avez besoin pour, par exemple, pour le foot. Ici, j'ai les bandes pour les lacets, par exemple. J'ai les pockets pour les protège tibia, par exemple. Donc, on a tout ça dans ma petite section. On a même les bandes pour les capitaines, comme ça, aussi. Et après ça, ma dernière section ici est les protège tibia. J'ai les différentes qualités que vous voulez, seulement celui qui est, vous pouvez seulement mettre dans vos chaussettes, ou bien les autres qui vous protègent un peu plus, qui sont plus gros, quoi, dépendant de quel est votre confort avec. Après ça, je vais vous montrer les équipes nationales de Adidas. Ici, j'ai le maillot de l'Espagne, qui est le nouveau maillot qu'ils vont utiliser à l'Euro 2012. Le premier maillot, et ça, c'est le deuxième, quoi. Et j'en ai aussi les vestes de l'Espagne, par exemple, ici, avec écrit Espagne derrière. Aussi, j'ai aussi le nouveau maillot de l'Allemagne. Et évidemment, vous pouvez aussi mettre les noms et les numéros derrière. Et puis ici, j'ai aussi une veste d'Allemagne, le nouveau style. Et aussi, sans oublier, l'Argentine avec Messi derrière, qui est évidemment la star. Et on a aussi les jackets pour l'Argentine, par exemple, comme ça. Bleu foncé, quoi. Très, très chic. Ah, ici, ça, c'est le deuxième maillot de l'Argentine que j'ai, avec Messi encore. On a aussi les noms comme Maradona ou bien Higuaín, qu'on peut mettre, dépendre si vous les aimez. Et aussi, j'ai le maillot ici, ça c'est le maillot de Chicago Fire, qui est l'équipe qui aime l'équipe de Chicago, quoi. Le club, j'ai les deux maillots, ça c'est le premier maillot. Et puis ça c'est le deuxième, ça c'est les maillots de cette saison, quoi, les nouveaux. Après ça, j'ai l'équipe nationale du Mexique, avec Dos Santos qui est derrière. Et encore, on peut mettre n'importe quel joueur que vous voulez. J'ai aussi les maillots d'entraînement, comme ça. Et évidemment, aussi même les maillots de gardien but. Ça, c'est le gardien but de l'équipe mexicaine, par exemple. Et aussi les survêtements avec le pantalon qui va avec, comme ça. Et aussi, ici, j'ai les casquettes, quoi, de l'Allemagne, Argentine, et puis du Mexique qui est ici dehors, en bas. Après ça, j'ai mes clubs qui est Adidas. Le premier qui est Liverpool avec Suarez qui est derrière. Et on a aussi les noms comme Torres et Gérard aussi. Après ça, on a Real du Madrid. Ronaldo qui est derrière. On a aussi les autres noms comme Dimara, aussi Ozil et les autres joueurs. Donc ça c'est le premier maillot. On a aussi le deuxième maillot, le noir comme ça, du Real de Madrid. On a aussi les t-shirts qui représentent le Real de Madrid aussi. Et après ça, j'ai mon club du Milan AC. Le Milan AC qui est premier dans la Serie A italienne. J'ai aussi leur veste qui est très très jolie. Et après ça, j'ai aussi Chelsea. L'équipe Chelsea avec Ashley Cole derrière. Leur maillot principal, quoi. Ici, j'ai mes petits sacs pour l'entraînement, si vous voulez mettre seulement les chaussures, les petites chaussures. Et ici, j'ai les différentes équipes, quoi. Ça, c'est Chelsea. J'ai aussi le Milan AC qui est ici. Quoi, dépend de quelle est votre équipe préférée. J'ai aussi plus de balles ici, par exemple. Celui-ci, c'est la taille 5. J'ai aussi les sacs. Pour les sacs d'entraînement, quoi.
Il y en a des grands et des petits pour les enfants aussi. Et ici, j'ai mes sacs à dos. Ces sacs à dos-là sont en fait des équipes, des différentes équipes nationales. Par exemple, ça, c'est le Pays-Bas. J'en ai pour le Brésil aussi. Et pour les États-Unis qui sont là. L'équipe des États-Unis, comme ça, vous pouvez représenter votre équipe. Après ça, on a la section des enfants qui est ici au milieu. Celui-ci, c'est Chicago Magic, qui est un des clubs qu'on produit les équipements. Par exemple, ça, c'est Chicago Magic avec... on a produit ça. Ça, c'est le maillot d'entraînement de Chicago Magic, par exemple. Et ici, on a aussi un autre club quand on fait les maillots aussi. Ici, c'est un t-shirt de Pegasus, un autre club des enfants quand on fabrique les équipements. Donc, on peut aussi faire les équipements des équipes. Enfin, si vous avez une équipe et vous voulez équipement, on peut produire ça pour vous. On a des bons prix en fait qu'on peut vous donner. Ici, c'est ma section des femmes. J'ai aussi les pantalons d'entraînement pour femmes. Comme ça. Et puis j'ai aussi les shorts pour les femmes, un peu ici. Ici, c'est ma section des shorts pour les adultes, les hommes en fait, les différentes couleurs et différentes qualités. Et j'ai aussi pour les enfants qui sont ici, pour les petits joueurs de foot, très mignons. Après ça, ça c'est ma section des enfants pour les maillots des clubs et des équipes nationales. Par exemple, ça c'est le maillot de Barcelone pour les petits. On peut aussi mettre les noms et les numéros, que ce soit le nom et le numéro de l'enfant ou bien d'un joueur professionnel comme Messi ou bien Ronaldo pour le Real de Madrid, quoi. On a aussi les t-shirts comme ça. Par exemple, ça c'est Real de Madrid pour les enfants, les petits. Et aussi, on a les plus petits, du genre 1 an à 2 ans aussi, les petits maillots comme ça. On a les maillots de Manchester United pour les enfants. Et aussi Arsenal. Et aussi, n'oublions pas les États-Unis d'Amérique. De l'autre côté, on a plus des équipes, par exemple, de Adidas, quoi. Ici, on a le Real de Madrid, le Milan AC pour les enfants, et puis aussi Chelsea pour les enfants. Et j'en ai aussi les survêtements Real Madrid pour les enfants ici, avec pantalon pour les petits joueurs de foot. Et j'ai aussi Chicago Fire pour les enfants. Et j'ai les deux qualités, le bleu et le rouge, comme ça. Cette section qui est à côté de moi est la section des gardiens de but. On a tout genre de couleurs. Et puis ça commence pour les enfants d'abord. Et puis j'en ai ici pour les adultes, des gardiens de but. J'ai aussi des gardiens de but pour les enfants et pour les adultes aussi. Ma prochaine section, c'est la section où j'ai les soldes. Ici, c'est toutes ces sections-là, c'est 50% de soldes que vous pouvez avoir, surtout que ce soit les sous-vêtements ou bien les maillots Puma et les différents pays, comme, par exemple, comme le Brésil, l'Angleterre. Par exemple, tout ça est 50% en solde. J'ai aussi ma section de solde en chaussures, évidemment. Des deux côtés, j'ai un côté sont pour les enfants et l'autre sont pour les adultes. Alors voilà, c'est le tour de Chicago Soccer. Encore, on est situé au 3217 Lake Avenue à Wilmette. Vous pouvez nous appeler à 847-251-1542. Notre site internet, c'est www.chicagosoccer.net. Et merci de nous avoir donné ce temps et à bientôt. J'allais travailler. Ciao!